Et je vais casser le mythe. Il y a déjà des gens qui se sont fait beaucoup d'argent avec Pi. En vrai, tu mines une journée, tu peux t'acheter un ordinateur. Si c'était listé, ça serait autour de... C'est une philosophie qui est quand même assez proche du Bitcoin. Pi Network, est-ce que c'est l'opportunité du siècle ou une arnaque? On pourrait donc apparemment miner grâce à son téléphone des crypto-monnaies. On va parler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis pas tout seul, aujourd'hui je suis accompagné de Fulcran, quelqu'un qui s'y connaît très bien, qui a fait pas mal de vidéos sur le sujet, donc je trouvais ça très intéressant de l'inviter pour cette vidéo. Salut Fulcran. Salut Edgar, ça va? Je te laisse te présenter, Fulcran, si tu veux. Alors, moi c'est Fulcran, j'ai une chaîne YouTube et maintenant je parle de Bitcoin. Et pendant 2 ans, j'ai parlé uniquement de Pi Network. Voilà, vraiment, c'était le mec hyper calé, il a fait pas mal de vidéos et rassemblé vraiment une communauté, tout simplement, fan de ce projet-là. Dans un premier temps, Fulcran va nous expliquer ce qu'est Pi Network, un peu l'historique du projet. Ensuite, on parlera des points positifs du projet ainsi que de ses points négatifs. Et pour terminer, on discutera de est-ce que oui ou non, c'est une opportunité, une arnaque, on vous donnera nos avis là-dessus. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Pi Network? Alors, c'est quoi Pi Network? C'est une promesse de minage sur téléphone mobile où tu peux, grâce à un clic par jour globalement, récupérer un peu un token qui s'appelle le Pi. C'est basé sur une blockchain particulière, c'est leur propre blockchain qui est basée sur la blockchain de Stellar. Ils ont créé l'appli en mars 2019, enfin ils ont lancé l'appli en mars 2019, ils ont fait le white paper fin 2018. Le bas blesse, c'est qu'on a parlé tout le temps de minage, sauf qu'en fait c'est pas vraiment du minage, tu t'en doutes, c'est du mint, donc c'est de la frappe de monnaie. Et ce qui permet de ne pas dépenser les ressources de ton téléphone, hein, ça n'abîme absolument pas ton téléphone. Tu peux lancer l'application, lancer ton minage et éteindre ton téléphone toute la journée et revenir 24 heures plus tard, tu auras tout gagné. Juste l'aspect marketing de dire vous allez miner avec votre téléphone. C'est ça, parce que le but c'est de réunir, et c'est réussi hein, d'ailleurs, des gens qui sont assez néophytes sur le sujet. Donc là je vais te laisser tout simplement dire les points positifs du projet. Est-ce que pour toi donc après c'est quelque chose qui est faisable, quelque chose qui peut être intéressant? Est-ce que le coin peut se valoriser? Et est-ce qu'après derrière tu pourras me dire s'il te plaît les points négatifs du projet, les on va dire red flags, pourquoi donc aujourd'hui bah t'es plus trop sur le projet, si tu peux me dire tout ça. Alors les points positifs du projet, je pense que ça permet d'onboard des gens qui n'ont jamais entendu parler de la crypto-monnaie avant. Aujourd'hui personnellement je le ferais complètement différemment. Ça a amené des gens, et moi personnellement j'ai aussi créé une communauté que j'essaye d'amener sur Bitcoin maintenant, qui du coup a découvert la crypto-monnaie avec Pi. Les points positifs, je vais être un peu biaisé parce que je suis sorti de ce projet et j'en garde pas que des bons sentiments, parce que j'ai quand même le sentiment d'avoir perdu du temps. Point positif, c'est que tu as un KYC, donc pour ceux qui sont complètement compliant avec le KYC, donc la vérification d'identité, c'est un système qui va te permettre d'obtenir tes cryptos et de pas être ciblé comme utilisation sur le darknet, etc. Parce que bah, t'es KYC en fait, donc t'es identifié. Mais surtout, ça va être pour les développeurs qui vont vouloir rémunérer par exemple des gens pour une action et ne pas rémunérer des robots. Moi, j'avais une idée d'application à l'époque, c'était une application de sondage où pour inciter des gens à être sondés, normalement tu leur donnes une petite rémunération. Ouais, ça se fait dans la vie courante, et donc via internet tu peux pas le faire parce que bah, tu crées 8 comptes et tu récupères 8 fois la récompense. Avec une appli sur le réseau Pi Network par exemple, vu que t'es KYC, t'as un seul compte par personne, tu rémunères que des gens qui existent, des humains en fait, un peu comme tu as parlé du WorldCoin dans une présente vidéo. C'est un peu le même danger globalement avec le KYC. Moi je suis pas, j'étais compliant avec le KYC, je le suis plus du tout maintenant que j'ai basculé du côté Bitcoin, j'imagine. Mais voilà, il y a ce KYC qui peut être un gage de confiance pour certaines applications décentralisées ou centralisées d'ailleurs. Et point positif, c'est que ça repose aussi sur des vrais systèmes qui marchent, qui sont utilisés dans d'autres réseaux, notamment sur Bitcoin par exemple. Sans vouloir parler réellement de Lightning Network, c'est basé comme sur Pi Network, sur une toile de confiance on va dire. Ceux qui ont déjà installé l'application, ils ont entendu parler de cercle de sécurité où tu donnes ta confiance à 5-6 personnes. Et en fait, comme sur Lightning, ça va te permettre de créer des canaux jusqu'à un node et de pouvoir faire des transactions comme ça. Donc il y a des bonnes bases. Stellar était une bonne base. C'est plus une blockchain que je supporte, mais il y a quand même des bonnes bases. C'est économique, on va dire, écologiquement. Je vais le nuancer, on va dire que ça consomme pas des masses. Ça a amené, pour le peu de gens qui s'y est vraiment intéressé, la notion de qu'est-ce qu'une monnaie, et à une monnaie ça sert à acheter des biens et des services. Et il y a quand même c'est un peu cette philosophie qui tourne, qui est pour moi importante chez Bitcoin, c'est que le but d'une monnaie c'est d'échanger et pas de faire du trading, etc. Ok, et après aussi c'est de garder on va dire son pouvoir d'achat. Ce qui est intéressant avec donc Bitcoin, c'est de lutter on va dire contre l'inflation, d'avoir quelque chose qui finit. Ça tu l'as pas sur Pi, c'est pas du tout inclus sur Pi ça, parce que t'as une supply qui est fixe, qui est de 100 milliards, qui est destiné à 65 milliards destiné à la distribution via le mint, okay, du téléphone. C'est à peu près tout
en point positif. Ok, ok. Et maintenant, est-ce que tu peux me parler un peu plus donc des red flags, des points négatifs qui te font dire que le projet est peut-être pas forcément viable sur le long terme, pas forcément intéressant Alors, les red flags, ça dépend pour qui. Pour moi, ce sont aujourd'hui des red flags. Il y en a qui m'ont dit, qui vont dire que ce ne sont pas des red flags. Il y en a qui vont dire que ça a toujours été des red flags. Moi, je vais mettre une parenthèse sur un truc qui est le plus gros défaut qui a été... Enfin, ça n'a jamais été prouvé qu'il faisait la revente de données. Il y a 47 milliards d'utilisateurs revendiqués. Ça n'a jamais été prouvé. Il n'y a personne qui a dit « j'ai trouvé, ils ont revendu mes données ». Parce qu'en vrai, tu peux ne pas donner grand-chose comme données à part ta carte d'identité ou ton passeport. Tu peux ne pas donner ton numéro de téléphone, tu peux ne pas donner ton adresse mail, tu peux tout à fait le faire. Après, ils ont aussi les infos du téléphone, donc ils savent aussi ta localisation. Alors, donc la localisation, il me semble, et là, je vais pas trop m'avancer, mais il me semble que c'est assez récent l'autorisation de localisation pour une raison politique. C'est une entreprise américaine qui s'appelle Social Chain, qui gère P-Network, et elle a banni certains pays, parce que ce sont des pays qui sont bannis sur le plan économique, et voilà, genre l'Iran, etc. Exactement, ok. Par rapport aux données du téléphone, donc ça a accès aux contacts. Je suis pas dans le marketing, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire des contacts. Par contre, je sais ce que l'application fait des contacts. Ça a toujours été clair. C'est par rapport à ton cercle de sécurité. Quand tu donnes la confiance aux gens, en fait, tu peux autoriser ou non. C'est une autorisation que tu dois donner dans l'application pour donner accès à ton carnet de contacts pour voir si les numéros qui ont été enregistrés dedans, il y en a un qui est sur l'application et du coup, lui, l'inviter. Mais ça t'incite après, toi, avec ton numéro quand même, tu vois. Donc après, ouais, si un numéro, ouais, il peut savoir quand même, par exemple, ton pays ou des choses comme ça. A priori, moi, en 4 ans sur le projet, j'ai jamais eu d'appel qui pourrait s'apparenter à numéro que j'ai donné à ce truc-là. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, en vrai, à part des cuisines et des opérateurs mobiles, personne m'a jamais fait ça. Les classiques, quoi, ceux qui te font un peu chier. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de preuve qu'ils le font pas. Et par contre, on sait qu'ils gagnent de l'argent. Il y a des investisseurs. Mm-hmm. Après, officiellement, l'argent, c'est des fonds propres et des investisseurs. Et surtout, la publicité. Ok, ouais, la publicité, tu l'as une fois par jour. C'est une publicité que tu peux skip au bout de 5 secondes. Vraiment plus facile que sur n'importe quel jeu, en fait. Les gens sont habitués à avoir des pubs sur les jeux. Là, t'en as. Et tu peux la désactiver en vrai. T'as juste un clic à faire. Les pubs et on les a plus du tout. Ah, désactiver la vie. Et est-ce que tu sais les revenus qu'ils ont pu générer ou parce que c'est quelque chose de public? Ouais, bah en fait, non, c'est pas public, mais ça a été calculé globalement. C'est avec 30 millions d'utilisateurs, ils pouvaient prendre 200 000 dollars par mois en publicité. Ce qui est très peu parce qu'ils ils ont beaucoup de frais en vrai. Je pense que n'importe quel développeur pourrait te le dire, mais entretenir un serveur avec un chat en direct où il y a potentiellement des millions et des millions, des dizaines de millions d'utilisateurs, ça coûte bonbon. Et en vrai, 200 000 dollars, c'est pas tant que ça. Donc, peut-être qu'ils ont recours à d'autres choses, il n'y a pas de preuves, et je dirais pas qu'ils le font pas, et je dirais pas qu'ils le font. Okay. Autre critique, la plus simple, c'est la communauté. Je vais parler pour celle que je connais, la française, enfin la francophone, plutôt que la française, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Il y a beaucoup de francophones, et il y a beaucoup de francophones hors de métropole, c'est-à-dire que t'as beaucoup d'Afrique francophone. T'as énormément de Bénin, Togo, Congo, Côte d'Ivoire, qui étaient la masse particulière qui était sur ma chaîne quand je parlais de Pi. Okay. Vraiment, il y a plus de gens qui venaient d'Afrique que de France. Ah, et beaucoup attiré par la promesse de une crypto-monnaie gratuite avec un fort potentiel, ouais, bah, l'argent gratuit et qui pourrait valoir plein d'argent. C'est ça, mais un peu comme t'en as parlé dans ta vidéo sur le Whatcoin, c'est-à-dire que à partir du moment où tu proposes quelques dizaines de dollars possibles aux gens, ils sont prêts à vendre leur mère en fait dans ces pays-là. Tu vois, non mais un salaire moyen c'est 200 balles. Ouais, c'est énorme. Quand tu te proposes plusieurs semaines de salaire pour potentiellement appuyer une fois sur ton téléphone, forcément ça va mettre du monde. En plus, tout le monde a un téléphone. C'est ça aussi, tu vois. Ouais, bah ça, en vrai, c'est plutôt un point positif où ça permet d'avoir facilement de la crypto sur ton téléphone, parce que tout le monde en a un. C'est un peu l'inclusivité, si tu veux, mais bon, c'est pas ce que je vais retenir tout de suite. Pour la communauté, elle est très jeune. Celle qu'on voit est très jeune. Il y a une autre communauté qui est un peu plus experte. Quand même, ça a ramené beaucoup de gens qui sont très techniques. J'ai côtoyé des modérateurs pendant 2 ans. Il y avait plus de 250 modérateurs. C'est un autre point que je vais développer après en critique. T'as des mecs qui sont ultra calés crypto et ultra capés en dev. T'as des mecs qui ont développé des apps pour aider la core team, des outils qui n'ont jamais fait la core team directement, un peu comme peut faire Reddit, c'est le sujet de l'actu. Ouais, en ce moment, t'as des mecs qui travaillent gratuitement, exactement comme sur Reddit. T'as plus de... Alors, à l'époque où j'étais, on était au moins 250 modérateurs répartis sur 120-130 pays, donc qui sont bénévoles, qui passent des jours et des jours sur les chats à modérer, à donner des infos, à diguer le projet, et ils sont absolument pas rémunérés. Il y a juste une fois dans l'année, c'est le vendredi des modos, ils disent, ouais, voilà... Non, rien du tout. Ils disent, voilà, c'est les modos.
photos et on voit leurs photos et c'est cool. Donc il y a un fonctionnement sur la communauté, il y a zéro retombée sur cette communauté réellement. Et c'est beaucoup, comme tu as dit, donc tu as dit beaucoup de jeunes, mais tu sous-entends aussi donc beaucoup de jeunes qui connaissent pas grand chose à la base aux crypto, quoi. C'est ça, et en fait, quand ils sont qu'entre eux, bah, c'est un problème. Après, quand tu as des modérateurs ou tu as des gens qui sont un peu plus bienveillants qui vont leur dire tu gagneras pas de l'argent, t'es pas là pour être riche. Un peu le béaba de la crypto en vrai. Ouais, et la vérité en plus, parce que pour l'instant, bah, ça fait des années et on peut toujours pas. Vraiment, est-ce qu'il n'a pas été encore listé, je veux dire, on peut pas encore... Alors, je vais casser le mythe. Il y a déjà des gens qui se sont fait beaucoup d'argent avec Pif. Ils le disent pas, parce que c'est complètement interdit par la core team. La core team, ils veulent que ça soit pour des échanges des biens et des services, et vu que c'est pas listé, ils veulent absolument pas. Genre, tu signes un contrat pour recevoir tes Pif, t'as interdit de l'échanger contre une autre monnaie. Mais, vu que c'est une blockchain, et qu'elle est publique, tu peux très facilement tracer des mouvements, mais c'est hyper facile. Tu traces des mecs qui récupèrent des milliers de Pif, et tu vois que les mecs leur vendent, en fait. Ça se voit que c'est vendu. Ouais, c'est un petit virement derrière compte bancaire. Exactement. Compte crypto directement. Exactement, il y a des arnaques, les mecs qui achètent, il y en a qui achètent et qui ne donnent pas d'argent, mais il y en a vraiment qui achètent, qui se font de la thune avec. Donc il y a des gens, tu vois, il y a une demande de gens qui souhaitent directement, au lieu de le miner, directement en acheter parce qu'ils croient au projet. Ouais, bah t'en as qui y croient beaucoup, c'est surtout en Afrique et en Chine, parce que je pense que t'auras pas de mal à trouver d'images pour illustrer ton sujet, mais en Chine et au Vietnam, c'est Pi Network, c'est quelque chose. Hein. En ouais, fait, on se rend pas compte en Europe, là, mais c'est un vrai truc. Les mecs, des conférences, ils sont des milliers dedans. C'est vraiment un truc. Ça se rapproche un peu de Bitcoin dans la philosophie où le but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est juste de donner une monnaie à des gens et vous en faites ce que vous voulez. C'est pas une monnaie d'État, ils te disent juste, au lieu de payer des dollars pour échanger dans ton pays voisin, je parle pour l'Afrique par exemple, des sacs de riz, payez-vous une monnaie que vous avez, et ça tu peux le faire avec n'importe quelle autre monnaie, mais là c'est accepté partout dans le monde, enfin c'est accessible partout dans le monde en tout cas. Une autre critique qui est red flag, hein, qui est carrément red flag, et c'est un truc qu'on a toujours reproché, et moi le premier à la core team en direct, parce que j'étais en communication de facilité avec la core team, on va dire, on avait un serveur Discord qui existe toujours où on peut communiquer avec les devs et les fondateurs du projet. Leur communication officielle est très rare. Et je parle pas du compte Twitter qui est très très récent et qui est pas du tout tenu par Nico Kokalis ou Cheng Daofan. C'est un truc qui a été mis en place mais qui sert pas à grand chose, mais leur communication officielle, elle est très rare et ils sont très difficiles d'accès. Il y a Nicolas Kokalis qui venait sur les chats pour nous en Europe le soir, peut-être qu'il le fait encore, qui répondait à une vingtaine de questions et qui développait un peu plus techniquement des points que les gens soulevaient, mais ça allait pas bien haut. Là où nous, modérateurs, on avait accès à des infos sur le Discord parce qu'ils nous donnaient des infos précises, ils nous donnaient des avances du projet, on pouvait poser des questions très techniques parce que sur les modérateurs, t'as des gens vraiment qui sont très techniques, mais officiellement, la communication est rare. Et donc, pour n'importe qui débute le projet, on va dire, mais en fait, c'est chelou, c'est quand même grave un red flag, la communication, elle est dure. Ouais, ça, c'est un red flag. Ouais, c'est important, normalement, pour un projet, de communiquer sur l'avancée, sur plein de trucs, quoi. Et c'est vrai que... Ça leur a été reproché, notamment avec le listing sur UOB d'un faux token Pi. Déjà, c'est pas possible parce qu'ils avaient pas de wallet. La personne qui gère UOB a dit, non, mais moi, j'ai pas de wallet, j'ai pas de Pi, juste, on monte le truc, je gagnerai du Pi, et puis donnerai plus tard aux gens qu'on a acheté. Et en fait, ils ont mis énormément de temps et les modérateurs n'ont pas assez de pouvoir hors de l'application et il y a très peu de gens qui vont dans le chat de l'application parce que bah, c'est mieux d'aller sur un Facebook, un Twitter, un Reddit, etc. Et du coup, les communicants officiels du projet, ce sont les modérateurs. Okay. Mais, c'est officiel pour la core team, mais c'est officieux pour le reste des gens. Et du coup, bah, le listing sur UOB, en fait, on l'a annoncé que c'était un gros scam et que ça servait à rien. Il y a des gens qui y sont allés quand même. Et la core team a mis, je crois, une semaine ou deux avant de dire non, c'est pas vrai, c'est pas nous et c'est interdit et ils n'ont pas de piste. C'est ouf ça que ça fait. Ça devrait être en quelques heures. Ouais, c'est peut-être pas deux semaines, mais ouais, c'est quelques jours. En vrai, c'est quelques jours parce qu'on a eu le temps. Moi, j'étais modérateur encore à ce moment-là, je crois. Et on s'est pris une saucée et on leur a dit, il faut parler maintenant. T'imagines ceux qui en ont acheté sur l'exchange. Ouais, après, l'exchange, c'est n'importe quoi. L'exchange qui liste un faux token qui sont pas renseignés. Après, je sais pas. Est-ce que c'était un token qui porte juste le même nom ou Non, c'est une promesse. C'est une promesse, c'est un you, c'est un contrat futur. Mais en fait, ça doit. T'as doit alarmer des gens, mais sauf que les gens qui s'alarment de ce truc-là, ce sont des gens qui sont un peu éduqués à la crypto et qui savent qu'à partir du moment où tu peux pas déposer des pis, tu peux pas en retirer, de base, bah, c'est forcément pas des pis. Mais bon, voilà, la core team est amerdée sur ce coup-là et comme tous les coups en communication officielle. Ouais, parce que c'est vous qui devez gérer la communication. Alors ouais, que... pareil, je parlais du développement avec la communication, bah, le développement il est assez flou. Il y avait pas mal de mises à jour à un moment donné, les modérateurs étaient vachement au courant, ça s'est bien atténué avec le temps, c'est pour ça que moi j'ai lâché l'affaire, ça m'a saoulé parce que je faisais autre chose. Mais ouais, le développement est flou, on sait pas exactement, on a des explications dans le white paper, mais on ne sait pas exactement techniquement comment ça fonctionne. Okay. Le code n'est pas encore public. La blockchain est publique parce que c'est basé sur Stellar et n'importe qui peut faire son propre explorer. Mais le code du node n'est pas public. Ça fait
fait 2 ans et demi qu'il y a un node qui est disponible et que j'étais parmi les premiers à faire tourner. Et il a été demandé sur Linux, ce qui est toujours pas le cas, alors que pourtant il est basé sur une distrib Linux et sur un conteneur Docker. Et aujourd'hui ça tourne que sur un Windows et un Mac. Et c'est très flou et personne n'est certain du fonctionnement. J'ai eu des réponses, je sais plus ou moins vraiment comment ça marche, mais j'ai pas la preuve par A plus B, tu vois, je peux pas te montrer un schéma et te dire ça marche comme ça parce que c'est écrit. Comme c'est on ça. Dit souvent, hein, don't trust, verify. Don't trust, verify, c'est ça. Exactement. Et est-ce qu'il y a des applications qui se construisent directement sur P-Network? Est-ce qu'il y a des tokens qui se lancent? Ça a été fait sur le testnet, à partir du moment où quelque chose est possible sur Stellar, tu peux le faire sur Pi. Okay. Tu peux faire des smart contracts sur Stellar, tu peux faire des NFT, il n'y a aucun problème. Tu as des applications, ils sont à leur deuxième hackathon public, on va dire. Tu as des projets à droite à gauche qui remportent des prix, c'est souvent des marketplaces chinoises. La plus grosse communauté est chinoise, le plus grand nombre de nodes est chinois, donc c'est beaucoup tourné vers la Chine, et eux, ils font beaucoup d'applications, mais c'est des trucs chinois, donc c'était pas juste pour cracher sur la Chine, mais on sait ce que c'est, quoi. Il y a des trucs, c'est facile à construire dessus, parce que c'est Stellar, c'est très accessible. L'intérêt pour un développeur, c'est que t'as une potentielle communauté de 40 millions de personnes qui peut tester ton application. Ouais, voilà, c'est ça, qui sont très engagés, qui croient beaucoup au projet. En vrai, ça, c'est intéressant pour un développeur de dire, bah, je fais un petit jeu où ça fait fossette, tu peux gagner des pi, bon, bah, c'est des pi, ça vaut ce que ça vaut, mais en vrai, tu peux avoir des millions de gens qui jouent à ton jeu. En vrai, pour un développeur, c'est vachement intéressant, 40 millions de personnes, même si le truc est un scam, en vrai, t'as 50 millions de personnes qui peuvent jouer à ton jeu ou à ton application. De daily user, ou tu vois, de personnes actives mensuellement. Ça, c'est un chiffre qu'ils peuvent pas communiquer, parce qu'en vrai, c'est compliqué de dire, tu vois, chacun peut oublier un jour de relancer son minage, et du coup, t'es pas compté comme actif. Mm-hmm. Dans les 47 millions, ils comptent les gens qui ont passé au moins 3 sessions de minage, et qui n'ont pas supprimé leur compte, et qui sont pas des robots. Souvent, ils font de l'écrémage de robots, parce qu'en fait, vu que c'est un cercle de confiance, bah, en fait, c'est simple à voir. Donc, ouais, là, il revendique 47 millions. En vrai, en daily, j'imagine, même pas 10%. Ouais, ce que j'allais dire. Moins de 10%. Et ça s'essouffle. Il y a eu beaucoup plus avant. Hein. Bah, déjà, on est plus en bullrun, donc j'imagine que c'est plus compliqué. Ouais, alors, vu que c'est beaucoup de néophytes sur la crypto, le bullrun, je pense que ça n'a pas d'impact. Ouais, mais ce que je veux dire, quand je dis bullrun, tu vois, ils entendent parler de crypto, donc ils s'intéressent à comment gagner de l'argent, comment gagner des cryptos. Donc, je pense que ça joue quand même beaucoup. Et puis, ça s'essouffle parce que globalement, quand t'arrives à 50 millions d'utilisateurs par du bouche à oreille et du référal, t'as fait le tour, je pense. Tu vois, là, des mecs, t'as des Chinois qui ont des millions de référals, mais en vrai, la plupart des gens, ils ont 3 à 4 personnes, tu vois, et qui minent même plus. Je crois que c'est 10% des gens, parmi tous les gens que je connais qui sont sur Pi Network, il y a 10% des gens qui sont encore sur le réseau, dans leur cercle d'invités. Un petit truc, en non-critique, parce que c'est une critique qui est faite souvent, c'est pas du MLM, c'est pas du pyramidal, c'est du simple parrainage, comme tu peux faire dans n'importe quelle banque, c'est-à-dire tu chopes une personne, tu reçois un cadeau, elle reçoit un cadeau, et peu importe combien la personne invite de gens, tu gagnes pas plus. Mmh. Et tu gagnes la même chose que la personne que t'invites. Genre un petit boost de minage, et il n'y a pas de MLM. Ouais, c'est un parrainage classique qu'on a sur tous les exchanges, C'est pas pyramidal, et c'est pour ça que quand t'entends des critiques ou le Vietnam là, qui essaye d'attaquer Pi Network en disant c'est du MLM, c'est flou, mais c'est pas du MLM. Mmh. Déjà, il n'y a pas besoin de payer. Il n'y a pas d'argent, et t'es pas obligé de référer, et tu gagnes la même chose, et c'est pas du multiniveau. Et puis, un bon red flag, KYC obligatoire, même si c'est compréhensible pour le projet, c'est un red flag pour beaucoup dans les cryptos quand même. Sachant que maintenant, toi, t'es plutôt en plus focus à 100% sur Bitcoin, donc effectivement, le KYC, c'est pas trop dans les valeurs du Bitcoin. Et j'assume d'avoir défendu le KYC parce que ça a un sens dans le projet, c'est un vrai sens. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'incite à faire. Est-ce que tu vois d'autres red flags à aborder ou pas? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si toi, tu connais des red flags et je peux peut-être en parler, mais... Bah pour moi, ce qui est vraiment un red flag un peu, c'est que dans leur communication, tu me contredis hein, si je me trompe, mais effectivement, c'est encore mis en avant comme quoi c'est pour miner avec son téléphone. En tout cas, c'est vraiment connu pour ça. Alors que finalement, comme tu disais, c'est on mint des tokens, ou plutôt mint le coin. Jouer un peu sur cet aspect-là, vous allez miner avec votre téléphone, tu vois, je trouve ça dommage de mentir, on va dire. En vrai, c'est pas pour les défendre, parce que j'ai plus aucun intérêt à les défendre et à promouvoir le projet. D'ailleurs, j'ai jamais promu le projet, j'ai toujours expliqué ce que c'était. Ce minage, en fait, ils ont pris le terme large de minage, si tu vas sur Wikipédia. Miner, c'est fournir des informations à un réseau pour sa sécurisation et être récompensé. Et sur ce terrain-là, effectivement, c'est du minage. Tu fournis des informations, tu donnes ta confiance à des gens, tu prouves que t'es pas un robot, alors t'es récompensé. Et dans ce terme-là, c'est le strict sens de minage, tel qu'on peut le trouver un peu partout, et ce qui est pas faux, hein, mais c'est pas le minage de preuve de travail. C'est vrai qu'on dit minage avec son téléphone, on pense directement à son téléphone. Et ça a été un red flag, on dit ça abîme votre batterie, ça abîme votre... Non, ça abîme rien du tout, c'est pas du minage tel que les gens le comprennent. Et même si ça existait, après, ce serait normal dans l'idée que ça abîme le téléphone. Ouais. Parce que regarde, quand tu mets des cartes graphiques, tes cartes graphiques, elles ont une durée de vie bien moins longue, parce qu'elles tombent 24 heures sur 24. Mais en vrai, ça serait pas un red flag pour moi de miner avec un téléphone, réellement, de faire le calcul avec un téléphone.
Nakamoto-san, ça serait pas un red flag en vrai. Que ça l'abîme, ça serait dans l'idée normale. Parce que tout le monde, en fait, dans l'esprit de Satoshi Nakamoto, et là je repars sur Bitcoin, lui il voulait pas presser le fait qu'il y ait des fermes de minage et qu'on optimise le minage. Il voulait que ça soit accessible à tout le monde. Il dit dans ses termes à peu près qu'il est pas socialiste, mais globalement ça l'intéresse plus que l'argent soit réparti sur 100% de la population que soit détenu par 20%. Donc en vrai, pour moi, c'est pas un red flag que si c'était miné sur un téléphone. Un projet qui est miné sur un téléphone, en vrai, c'est pas un red flag. Ça peut être intéressant pour accéder. Tu vois, les gens, ils installent des crypto-tabs sur leur téléphone. Ah, c'est et c'est sûr. Pas red flag. Crypto-tab est pas red flag. Maintenant, on va passer donc à la vie globale. Est-ce que donc tu penses qu'il y a un avenir au projet? Est-ce que tu penses que le token va monter à 100$? Ou je devrais dire le coin. Est-ce que tu penses qu'au contraire, ça va jamais vraiment avoir de prix concret? Ça va jamais être listé? On t'écoute. Tu parles de token ou de coin. En vrai, c'est un coin. Hein, c'est vraiment layer 1. Et par contre, eux l'appellent token. Mais eux l'appellent token officiellement pour des termes juridiques, j'en sais rien, c'est pas mes affaires. Mon avis, alors aujourd'hui, au bout de 4 ans et demi, le projet est trop peu concret. C'est-à-dire qu'il y a trop peu de gens qui peuvent utiliser leur Pi et qui peuvent en faire quelque chose et qu'ils comprennent. C'est long un développement de blockchain initial, hein, mais là, ça commence à être long sans communication et tout. Donc, perdez pas votre temps maintenant. En vrai, maintenant, ça vaut plus vraiment le coup parce que tu mines pas grand-chose. Tu récupères pas grand-chose comme Pi par rapport à ce que j'ai pu récupérer à l'époque. Aujourd'hui, pour avoir un Pi, ça peut prendre des jours, des semaines, là où j'en gagnais 1000 par mois sans problème. La core team est trop fermée sur la communication et c'est un gros point négatif parce qu'en vrai, ils sont complètement inaccessibles. Ils donnent des interviews à une personne tous les 6 mois. Il y a un gros problème avec la core team là-dessus. Et ça, c'est du fait de ses fans, Cheng Dao Fan, parce que Nicolas Kokalis est un vrai techos et quand tu parles avec lui, il est vraiment accessible. Et tu sais, on sent que c'est elle qui gère derrière et clairement, c'est elle qui bloque un peu le projet. Je pense que c'est un bon premier pas quand même pour quelqu'un qui veut essayer de comprendre ce que c'est que la crypto, pas trop longtemps parce que vraiment c'est le temps que t'investis à comprendre tout ça. Tu aurais pu l'investir comme par exemple en performant sur le Bitcoin avec ta chaîne, exactement, avec tout ce qu'il y a. C'est pour ça que je vais pas m'étaler là-dessus parce que en vrai tu prends sur ton téléphone, tu prends les jeux de Thunder Games, je sais pas si tu connais, tu récupères quelques satoshi facilement, tu regardes quelques pubs, tu joues et tu gagnes des satoshi que tu peux retirer directement en Lightning. C'est le plus simple en vrai pour un vrai premier pas, c'est faucet Bitcoin. Mais voilà, je comprends que ça peut être incitant de miner du Pi Network, machin. Maintenant, je le conseillerais plus du tout. J'en parle plus jamais d'ailleurs. C'est une philosophie qui est quand même assez proche du Bitcoin, sauf la partie KYC et décentralisation. C'est quand même un projet qui est encore aujourd'hui centralisé, dans le sens où le code n'est pas public. Les nodes actuellement sur la blockchain mainnet, c'est uniquement les nodes de la core team, de l'équipe de dev. Oui, très centralisé et, donc. Mais par contre, il y a des dizaines de milliers, je crois, il y a même 100 000 nodes, un peu plus de 100 000 nodes connectés, qui eux sont sur le testnet encore. On sait pas ce qu'ils attendent. Ils gardent la main sur la blockchain pour être sûr que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas des mecs qui essayent de tricher, etc. Sauf qu'il y a des gens qui font tourner leur ordi, j'en étais pendant des mois et des mois, H24, pour pas grand chose. Mais c'est proche du Bitcoin sur la philosophie d'inclusivité et de l'utilisation qui peut être en être fait. C'est une monnaie pair à pair et ça a toujours été poussé dans ce sens. C'est pour ça que ma bascule, moi, a été facile de Pi vers Bitcoin. Bitcoin, je pense qu'elle est facile de Pi vers Bitcoin pour n'importe qui veut un poil évoluer. Concernant le prix du token, le listing, j'ai toujours défendu le fait que ça n'avait pas besoin d'être listé, en vrai. Okay. Ça serait pas un mal si c'était pas listé, ça permet aux gens d'échanger entre eux. Tu vois, on le fait sur mon Discord, il y a des gens qui s'échangent des trucs, c'est pas utile. Là, je vais acheter là, dimanche un vol en montgolfière pour une personne équivalent 170€. Je vais mettre, je sais pas, peut-être 300-400 Pi. Il y a une PS5 qui a été vendue à 3800 Pi. Bah, rentable ça, parce que quand tu me dis qu'au début tu gagnais 1000 Pi par mois. Bah en vrai, ouais, pour moi rentable, j'ai des milliers de Pi. Donc ouais, rentable pour moi, à partir du moment où je peux acheter un truc, tu vois, je me dis bon, j'ai pas perdu mon temps, ça m'a au moins apporté 170€. La personne qui s'est acheté une PS5 là, c'est quoi, c'est 650€ une PS5. Bah, c'est rentable pour elle aussi, cette personne. Donc est-ce que c'est besoin d'être listé? Je pense pas. Si c'était listé, ça serait à mon avis autour de la dizaine de centimes ou du demi-euro. Parce que malgré qu'on puisse dire qu'il y ait beaucoup de Pi en circulation, aujourd'hui, les gens qui arrivent sur le projet et les trois quarts des utilisateurs n'ont pas beaucoup de Pi. Parce qu'avec le halving, j'en parlerai pas plus, mais avec le halving qu'il y a sur le projet, t'as beaucoup de gens qu'on passe en Pi en fait. Donc pour le temps passé, avoir 10-15€, en vrai c'est worth. Mais clairement, contrairement à ce que tu peux entendre et ce que t'as pu voir pendant des mois et des mois, il n'y a pas des milliers d'euros, non, ça, jamais de la vie, c'est pas possible. J'avais même fait des vidéos à l'époque pour expliquer. Non, en dessous du dollar, en dessous de l'euro. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que le Pi pourrait valoir
pourrait valoir 1 000 dollars. Ouais, t'as des communautés, on va dire, de pays émergents, de pays en développement, des pays qui sont, okay. qui sont pas du tout au même niveau de vie, qui gagnent quelques dizaines de dollars par mois. Pour eux, un PI, c'est 314 000 dollars, 3 000 dollars. En fait, c'est des gens qui sont complètement déconnectés du système économique. T'as des grosses communautés, des gros leaders, comme ils appellent ça, qui poussent des trucs et qui disent aux gens, vendez vos PI, vendez vos objets à une valeur de PI pour 314 000 dollars. En vrai, tu mines une journée, tu peux t'acheter un ordinateur. Enfin, ça n'a, ouais, aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est bien si c'est pas listé. Ça va fermer la gueule à beaucoup de gens. Désolé du langage, mais. Mais de l'autre côté, si c'est listé, ça montrerait, on va dire, un certain sérieux. Ça renvoie un message quand même fort en mode, regardez, il y a une vraie valeur. C'est pas dans le vent. La vérité. Je vais me faire des ennemis peut-être, hein, parce que j'ai défendu ça, mais day one, je peux échanger mes pics contre du bitcoin, je le fais. Tous mes pics. Day one. Ça va être l'intro de la vidéo, ça. Day one, je revends tout. Bah oui, non, mais en vrai, je vais protéger mon épargne. Donc, pour terminer, même si je l'ai déjà dit, parce que c'est vraiment plus important, il y a déjà d'autres solutions qui existent, et la meilleure alternative à Pi Network, c'est Bitcoin. Et donc, si on souhaite s'y intéresser, il y a une chaîne qui est pas mal, là, qui commence à faire des vidéos très sympas dessus. Ça s'appelle Fulcran. De toute façon, il y aura tous les liens taper dans, Fulcran, dans la description. C'est ça. Je vous montre comment on peut payer en Bitcoin, même si le commerçant n'accepte pas Bitcoin. Alors, c'est pas possible pour tout le monde, mais bon, j'ai réussi à le faire, et le but, c'est de vous montrer plein de trucs un peu ludiques sur Bitcoin, et qu'en vrai le Bitcoin, ça s'utilise comme n'importe quelle monnaie. Des vidéos vraiment hyper bien réalisées, vous allez voir, il a Merci. Payé au cinéma en Bitcoin, il s'est fait des petits popcorn et une place de ciné. Et louchez bien sur le logo derrière Edgar dans sa chambre. Voilà, exactement, il est là, il est en rouge pour la couleur de Cryptomafia, mais c'est le king, c'est la sainte crypto, donc évidemment faut la mettre en avant. As-tu peut-être une conclusion, genre est-ce que c'est un scam? Non, c'est pas un scam, mais si vous trouvez trop de red flags à votre goût, n'y allez pas, ça sert à rien. Je pense qu'aujourd'hui ça vaut pas forcément le coup de mettre son temps dedans, alors qu'aujourd'hui il y a plein d'écosystèmes qui sont déjà développés, qui continuent de se développer, qui sont peut-être un peu plus prometteurs. On va avoir par exemple, voilà, juste Bitcoin, vous pouvez vous renseigner dessus. Si vous voulez commencer la crypto, ce sera sûrement plus intéressant que Pi Network. Plus sain, surtout ouais. plus sain. Ouais, voilà, plus sain. Et puis même si c'est 5 secondes, parce que là il me dit oui, c'est 5 secondes par jour, on s'en fout. 5 secondes par jour, en fait, c'est 5 secondes de ton temps, et ça tu l'apprends avec Bitcoin. 5 secondes de mon temps, c'est mon temps, il est tellement précieux, c'est la chose la plus valuable de ma vie. Je la gaspille pas à appuyer sur un bouton. Ouais, effectivement. Investissez là correctement, comme par exemple en mettant un pouce bleu, ça peut être une très bonne idée, ça prend vraiment encore une fois que quelques secondes pour cliquer sur un bouton, et n'hésitez pas évidemment à aller vous abonner à la chaîne de Fulcran et à vous abonner à Cryptomafia, hein. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner, des vidéos de qualité quoi. Et sur ce, cette dose de crypto vous a plu, on vous en remet une juste ici, et on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et ciao.